dans le Christ notre Seigneur, je vous salue, la paix du Christ. Je viens encore une fois devant vous pour vous parler des merveilles que le Seigneur a accomplies et qu'il accomplit toujours dans ma vie et pour vous inviter à vous joindre à moi pour le louer. Le louer, même si vous avez des croix, des poids qui vous pèsent, n'oubliez pas qu'il a été cloué sur une croix pour nous. Il a été cloué pour nous sauver, pour sauver la faute que nos premiers parents, Adam et Ève, ont eu la faiblesse de commettre. En fait, ce que nous subissons de mal, ce n'est que les conséquences de ce péché, de cette faute si grave qui a tout endommagé. Mais rappelez-vous avec espérance aussi que notre Seigneur Sauveur Jésus n'est venu que pour ça. C'est la seule chose qui lui a fait quitter le ciel. S'il avait voulu, il aurait dû laisser. Il aurait laissé. Il l'a fait seulement à cause de sa bonté, sa miséricorde. C'est pas si facile d'abandonner les palais, le palais royal et tout ce qui est. Lorsque tu es roi ou bien tu es fils de roi. Abandonner ton palais et tout ce qui est fait le bonheur d'un royaume pour te mettre à la condition d'un esclave ou bien pire que ça. Parce que je suis convaincue qu'on a une condition vraiment plus basse que celui d'un esclave de Dieu. Alors, il nous a aimés. C'est pour ça qu'on clame dans les Écritures l'amour de Dieu, dont Dieu le Père nous a créés par son Fils. Mais il a eu tellement la miséricorde envers la faiblesse humaine. Quand nos deux parents ont péché, il a eu la miséricorde et la compassion. C'est ça, c'est cet amour qui englobe le tout. C'est l'amour qu'on clame dès qu'on est petit, on l'entend mais on ne comprend pas. C'est cet amour qui régit tout, même actuellement. C'est un amour plein de compassion, de pardon, de pitié, un amour qui ne change pas, parce que Dieu ne change pas. Je vous assure qu'il n'est pas soumis au changement comme à notre nature humaine. Il ne change pas, il est constant, il est toujours lui-même, il ne se lasse pas. C'est ce qui est bon, c'est ce qui me donne la joie. Voilà. Donc, je suis venue pour vous témoigner, mais aussi vous inviter à m'aider, vous unir à moi spirituellement pour remercier le Seigneur. La chose pour laquelle je vais remercier aujourd'hui concerne son pardon. Son pardon qu'il me donne et qu'il nous donne tout le temps lorsqu'on reconnaît nos fautes. Mais aussi le pardon lorsqu'on commet des péchés qui nous enlèvent la grâce divine. Dans l'Église catholique, on appelle ça les péchés mortels, les péchés graves qui nous coupent de la vie, de cette connexion avec la vie divine. Il y a tant de personnes qui meurent au bas âge, tant adultes. Il y a tant de gens qui meurent dans les accidents, dans les maladies, et qui meurent avec le péché mortel. Sans doute qu'ils vont en enfer lorsqu'ils n'ont pas pu se repentir. Et moi, je me suis toujours posé cette question. Pourquoi est-ce qu'il m'a toujours donné la deuxième chance? La deuxième chance pour que je me repente? J'ai vu toutes les fois où, à cause de ma faiblesse humaine, je suis tombée dans le péché mortel. Un souvenir qui me fait mal, qui m'humilie, qui me donne la honte. Je ne suis que réconfortée par la grâce de Jésus parce qu'il est bon. Il ne veut même pas qu'on se rappelle de nos péchés, des fois qu'on a péché. Car lorsqu'il nous pardonne, il oublie. Il est très bon, de toute façon que lorsqu'il nous pardonne, il oublie.
Voilà. Moi, aujourd'hui, je viens pour lui témoigner ma reconnaissance, ma gratitude pour cette deuxième chance. Cette deuxième chance qu'il m'a accordée, alors que c'est pas à tout le monde que ça a été accordé. C'était un amour extrême, suprême, extrême. Un amour vraiment indicible. Un amour que je méritais pas. Puis il m'a fait confiance, il a osé m'en faire confiance. Au-dessus de toute confiance. Je lui dis merci. Je vous invite, vous aussi, chers frères et sœurs, à entrer dans, au-dedans de vous-même, dans votre vie, pour regarder avec les yeux de la foi, les yeux de plein de reconnaissance, de gratitude, pour lui témoigner votre gratitude. Dites-lui merci. Louez-le, bénis-le. Dis-lui merci. Bénissez-le, louez-le. Car il le mérite. Merci Jésus, merci infiniment, merci le plus profondément possible pour toutes les fois où tu m'as donné la deuxième chance. Tout ce que j'ai fait une chute, tout ce que je suis tombée, n'importe comment, et que tu m'as accordé ton pardon le plus profond par le sacrement de la réconciliation. Je te remercie car je ne le méritais pas. J'aurais pu être mort tout de suite sur le champ. J'aurais pu vraiment mourir. Car en dehors de ta vie, il y a la mort. Je ne peux que te dire merci. Et sur les réseaux sociaux, c'est toi qui me donnes cette opportunité pour témoigner ma reconnaissance, ma gratitude dans ta volonté, en ton nom Jésus. Je te loue, je te remercie. Au nom de mes frères et sœurs, au nom de toutes les créatures humaines, du passé, du présent et du futur, je dis merci pour toutes les fois où tu nous donnes la deuxième chance. Nous osons t'offenser, nous osons pécher envers toi et contre toi. Et tu oses, dans ton amour indicible, tu oses nous donner la deuxième chance. Le pardon, tu fais comme si on n'a rien fait, si rien n'a été fait, ou si rien n'avait été fait contre toi, alors que tu as souffert, alors que nous t'avons fait mal. Merci Jésus. Je ne peux que te dire merci. Et que mon merci te parvienne aussi sincèrement possible. Qu'il te parvienne. Et que sois un merci au nom de tous mes frères et sœurs du monde entier. Merci Jésus. À ce merci envers Jésus, j'y joins un autre merci du même genre. Donc, si c'était à une personne, si Jésus était une personne, je vous assure qu'on allait avoir de gros problèmes. Et d'ailleurs, il ne resterait pas pierre sur pierre. Je regarde moi-même. Lorsque tu viens, tu es un ami ou un proche. Tu m'offenses. La première fois, tu me demandes pardon, je te pardonne. La deuxième fois, tu recommences. La même chose, une autre faute est grave ou plus ou moins grave. Je te pardonne. Je t'assure que si tu pèches la deuxième ou la troisième fois ou la quatrième fois, je vais refuser de te pardonner. Je vais dire, celui-là ou celle-là fait semblant, ça devient une coutume pour lui. Alors je refuse de lui pardonner. Donc on est sévère envers notre prochain. C'est si rare, c'est si rarement qu'on réalise que le Seigneur agit de la manière différente envers nous. Alors que nous l'offensons, il a mal. Le plus souvent, nous oublions que quand nous péchons, avec n'importe quel péché, nous lui faisons mal. On a l'impression, moi je dis que c'est la société ou l'apostasie qu'on vit sur terre, nous convainc que lorsque tu pèches, tu as transgressé la loi divine seulement en l'air, mais on ne pense pas au mal qu'on fait à Jésus, à son corps, à son esprit, à son cœur. Il souffre, je vous assure. Il souffre. Comme nous souffrons lorsque notre prochain nous fait du mal, je suis convaincue que lui souffre plus intensément car il est, à cause de sa sainteté, il est plus sensible. Il souffre. Il souffre vraiment. Alors, au lieu d'y penser et d'essayer de y penser pour pouvoir pardonner à notre prochain,
On devient égoïste en se regardant. J'ai mal, il m'a fait du mal pendant 2 ans, 3 ans, pendant longtemps, il m'a fait. Comment est-ce que je peux lui pardonner? J'ai assez été patient ou patiente. Alors, on a tort. Relevons-nous, acceptons de nous convertir, parce que tout cela, c'est la conversion. Acceptons d'entamer cette démarche de conversion, de reconnaître que, comme on ne voudrait pas que notre prochain, notre semblable, nous fasse du mal, bien sûr, le Seigneur aussi, on ne veut pas lui faire du mal. Et d'ailleurs, c'est osé, c'est une audace. Oui, on a l'audace de le foncer, on ne devrait pas le faire. On devrait rester humilié, plein de honte. On ne devrait pas vraiment avoir l'audace de lui foncer. Et si, à cause de notre fragilité, notre misère, et si on le fonce, lui demander pardon sans tarder, tout de suite, et être reconnaissant et reconnaissante sans cesse, continuellement, envers son pardon. Parce qu'il ose. Moi, je me dis qu'il a l'audace de nous pardonner. Mais tout ce qu'il nous fait, c'était un amour. Bon, lorsque j'étais enfant, j'aimais une chanson que ma mère aimait m'enseigner. Elle aimait chanter. Donc, les chansons qui s'appelaient Victoire, c'était les chansons qui avaient étaient en rapport avec la croix de Jésus. Dans plusieurs de ces chants religieux, on y parlait d'un amour fou. L'amour de Dieu est folie, aux croix de Jésus-Christ, aux croix dressées sur le monde, aux croix de Jésus-Christ, aux croix dressées sur le monde, aux croix de Jésus-Christ, fleuve dont l'eau féconde, du cœur ouvert a jailli. L'amour de Dieu est folie, aux croix de Jésus-Christ. Voilà. Donc c'est l'une des chants, c'est l'une des chansons, c'est l'un des chants, mais je vous assure que la plupart des chants qu'il m'a enseigné, bon, on est nous relatait cet amour fou de Dieu, et ça m'a un peu poursuivi, j'y pensais de temps en temps, un amour fou, mais c'est maintenant que je comprends ce qu'est l'amour de Dieu est fou, positivement, parce que si c'était moi, souvent je me dis, si c'était moi, envers l'humanité, les hommes, je fais ça. Donc, on lui épargne rien pour lui rendre malheureux. Le rendre malheureux, ça fait mal, c'est malheureux, ça fait mal, c'est triste, mais c'est dégoûtant aussi, c'est dégoûtant. Faisons le contraire, chers sœurs. Je vous invite, je vous exhorte, c'est une exhortation. Unissons-nous, faisons tout notre possible, invoquons son secours, sa grâce, parce qu'il ne peut pas nous le refuser. Et faisons barrage, faisons une barrière contre le mal qui s'accroît parce que à cause du manque de prise de conscience. Acceptons cette prise de conscience et changeons nos conduites. C'est d'abord ce dont la parole de Dieu nous parle. Donc je dis, c'est même dans l'Ancien Testament, mais surtout dans le Nouveau Testament, avec la venue du Christ, dans les évangiles, dans l'acte des apôtres, et surtout dans les épîtres. Si on essaie de résumer le message évangélique, ce qu'on appelle la bonne nouvelle, on va voir que c'est une appel, ce n'est qu'une exhortation continuelle qui prend plusieurs formes selon les gens à qui on s'adresse, mais c'est une exhortation à ce combat, à cette prise de conscience, ce combat que toute personne, toute âme devrait faire ici sur terre, n'importe quand, n'importe comment, mais le plus profondément et sincèrement possible, pour nous convertir, la conversion. Voilà, c'est ce dont je voulais vous parler. Merci à Dieu
Merci à vous qui me suivez, qui me faites ce privilège de me suivre. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il vous donne toutes ses bénédictions dans le Christ, au nom de Jésus. Soyez bénis.